Je pense qu'on peut faire l'interview ambition. Alors Olivia, est-ce que pour réussir, vous seriez prête à chanter en duo avec Jean Pascal? Non, 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 bien sûr que non. Moi, tu connais quand même. Non, non, non. Mais non, mais on ne fait pas du tout la même chose. Non, 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 d'accord. Et lui non plus, je crois, d'ailleurs. Oui, il ne prend pas du tout. Elle, elle chante, lui, il fait autre chose, ça n'a rien à voir. Est-ce que pour réussir, vous seriez prête à coucher avec un producteur beau, jeune, intelligent, riche et drôle? Oui, claro. Un producteur jeune, beau, riche, plein de talents, d'humour et drôle. Non, mais si tu retires producteur, c'est bien parfaitement acceptable. Bah, t'aurais dû mettre producteur à la fin. Oui. Un mec beau, riche et drôle. Quel est producteur pour coucher avec lui, bien sûr. Et s'il était producteur? Ah non, alors là, ça m'en parle. Là. Exactement. Est-ce que pour réussir, vous seriez prête à perdre la plupart de vos amis? Justement, j'en ai perdu quelques-uns en participant à ce jeu. Ah ouais. Ils ont eu peur que je me pervertisse ou je sais pas quoi, que je sois pas fidèle à mon style musical. Et puis aujourd'hui, je les retrouve parce qu'ils voient que je suis arrivée à mes fins, même si j'ai dû passer par là. Alors, on a un message de Pékin, c'est un proverbe chinois qui dit « Si tu perds un ami, réjouis-toi, ça veut dire que ce n'était pas un ami. » Ah. Et c'est vrai. On est regardé partout, hein. Ouais. C'est fou. Incroyable. C'est ça. Est-ce que... Il y a un autre proverbe chinois qui dit « une de perdue, une de perdue ». Et ça se vérifie tout le temps. Tout le temps. Est-ce que pour réussir, Olivia, vous seriez prête à vous faire gonfler les seins? Ah oui. Une d'ailleurs, j'y pense. Ah, ça... Je t'interdis. Mais... Ah ouais. Connerie. Parce que ça a raté. Pourquoi pour toi, mais maintenant ça a évolué les techniques. Bientôt prévu. Pas pour réussir, mais c'est vrai que j'ai une toute petite poitrine. Ça va devenir à la mode. Olivia, j'ai les champs. Olivia, je peux te donner un conseil? Le fais pas. Voilà. Non, le fais pas, Olivia. Je vous écoutais très bien. Bon, les spectateurs, 55% ils veulent qu'elle reste comme ça et 45% voudraient l'avoir avec des obus. Ça fait quand même. Est-ce que, pour réussir, vous seriez prête à remonter la bretelle de votre soutien-gorge, là, maintenant? Bien sûr. Elle le fait bien. Ouais, moi, j'adore ça. Est-ce que, pour réussir, vous seriez prête à perdre votre accent, Olivia? Non. T'as un accent? Oui, du sud de la France. Ah, c'est vrai? Oui, mais c'est normal que... Là, tu parles un peu pointu, là. Non, mais c'est vrai que je le perds, et puis dès que j'ai quelqu'un au téléphone, ça revient. Comment ça fait? Alors, bonjour, comment ça va? Putain. Ah, non. Putain. Putain. Bien, donc là, vous allez le garder, celui-là. Est-ce que moi, je vais garder le mien. De trois. Le chef de gare à trois, il dit ici trois, ici trois. Trois minutes d'arrêt. Et tu bois quoi, toi? Un coco? Et toi? Un coco? Deux cocos? Moi, je parle comme ça. Ah, quoi? Est-ce que pour réussir, vous seriez prête à vous suicider à 25 ans pour devenir culte? Enfin, c'est-à-dire que tu te suicides, tu deviens surtout mort. Hein? Ouais. C'est-à-dire, si tu lui demandes son avis à elle, le culte, il le laisse aux autres. Ah, est-ce que pour réussir, vous seriez prête à aller dans des soirées où on offre des téléphones portables à des people? Non, on m'a proposé plein de fois et j'ai jamais été. Jamais. Pourtant, j'aurais bien aimé pour la PlayStation 2, mais bon. Un écran plasma. Elle est assez. Elle est assez. Un micro-ondes. Une voiture. J'aime. Un hélicoptère. Non, moi. Un jacuzzi. Mais qu'est-ce que tu veux, dis-le. Nous, on a plein de pognon, on est vieux, nous, tu comprends? Moi, c'est fini, j'ai fait un film. Ah oui, c'est vrai, t'as fait un film.